Et le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des joueurs avec les chaînes d'Hadès ou le pistolet mitrailleur prémonitoire. Donc pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. La première solution, c'est d'aller directement attaquer le boss Hadès qui se trouve aux enfers, juste ici sur le gameplay, et de le tuer pour obtenir les chaînes d'Hadès. Mais bon, ça reste quand même compliqué. La deuxième solution, qui est la plus simple, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. Et à cet emplacement-là, il y a un personnage qui va vous vendre le pistolet mitrailleur prémonitoire. Donc, normalement, il ne doit pas être loin. Je ne sais pas pourquoi je ne la vois pas sur la map. Ok, en fait, je m'étais trompé de bâtiment. C'est pas celui-là, mais c'est celui juste à côté, qui est juste ici, en dessous de Fencing Field. Donc, à cet emplacement-là, il y a le personnage. Donc, vous le rejoignez pour lui parler. Et là, vous allez pouvoir lui acheter le pistolet mitrailleur prémonitoire pour 300 lingots d'or. Vous lui achetez. Et là, ce que vous allez devoir faire avec ce pistolet, c'est tout simplement infliger des dégâts aux joueurs. Donc ça ne fonctionnera pas contre les bots. Il faut absolument trouver des réels joueurs et ensuite leur infliger des dégâts. Donc là, regardez, il y en a un devant moi. C'est parfait. Il est où? Il est là. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est d'infliger un total de 752 dégâts aux adversaires. Et dès que ce sera fait, ben là, je débloquerai les récompenses.